Bonjour, bonjour, la Terre du Milieu, on se retrouve en compagnie de Luluwood qui se fait attaquer avec son personnage The Last King. On a un peu amélioré notre façon de jouer puisque du coup on est sur Discord en vocal, donc vous allez pouvoir l'entendre. Salut Luluwood. Bonsoir tout le monde, bonsoir Yarnil. Alors du coup on va se lancer, puisqu'on est deux, on n'est pas très convaincu d'y arriver, mais on a décidé de se lancer quand même dans les 7 épées. Et comme on va pas perdre de temps, eh ben on va y aller tout de suite. Ah, sauf que c'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Ah oui, faut que je lui parle. Voilà. Voyager maintenant. En voyage. C'est allez, parti. Go. Grâce à l'aide des héros du Nord. Ah, il faut mettre les on épées. Les épées. Hein. Ah, bon. Ouais. Allez, on remet les épées. Donnez au chef montagnard. Parti. Et maintenant, ses alliés et lui se préparent. Je sais pas si on doit mettre tous les deux les deux ou si un seul suffit. Je sais pas, bah on va le faire tiens, ensemble, comme ça au moins on est sûr. Je te laisse en faire une, je fais la suivante, on va voir si ça marche. Ouais. Ah ben ça a l'air de d'accord. Marcher, donc chacun la sienne. Ouais, c'est bien. Chacun la sienne, hop, c'est pas mal comme ça. On avait gagné un peu de temps. Moi si on était 7, je suppose qu'on pourrait... Ouais, les faire simultanément. Ça doit être ça le deal en fait de cette quête, c'est d'essayer de la faire voilà. À 7. Nous y sommes. Les portes sont ouvertes. On peut rentrer, c'est parti. C'est parti. Hop là. Bon, l'idée c'est de le protéger, le monsieur. Oui. Hop. Que vous faut-il ? Alors, je te laisse foncer devant. Moi, je vais essayer d'aggro derrière. Mais c'est lui qui va aggro tout, de toute façon. C'est quasi. Ouais, il va nous ouvrir la porte. Ah, c'est. Il manque quelque chose. C'est casque, manque-t-il là ? Ah oui, il y a un peu de blabla, c'est vrai. Hop. Ouais, je me mets aux avant-postes, hein. Ouais, on va croiser les doigts très fort. Ouais, Manas Kevoka. Tiens, je pourrais mettre un petit piège. Un peu hop là, c'est parti. Ouais, c'est ça là qui fait mal. C'est ça qui va faire. Ouais. Ça faut que j'arrive à le tuer avant qu'il lui fasse du mal. Oh, il mange grave là. Ouais. Et puis, je vais bien, essayer de lancer. Ils sont bien sur lui en plus. Ça va pas être simple, je suis voilà, dans une zone de crotte. Là, bon, après si on prend tous les dégâts, faut aussi qu'on survive. Mais oh là là, il mange. Il a déjà plus que 1000 en morale. Ah non, puis il va dans la zone où on prend des trucs, lui. On est passé là, ouais. Ouais, là ça passe, mais... C'est chaud, hein. Ah punaise, il y en a combien derrière là? On va manger tous ces esprits par jour, on dirait. Dans cet endroit. Hop là, allez, oui. Hop là, bah oui, sans problème. Ah non, hop là, c'est quoi hop lui là. Non, non, ne le tuez pas. Ah, il a pris du moral un peu. Hop. Ça va, ils sont pas durs à tuer. Bah, ce qu'il faut pas, c'est qu'il tape sur le PNJ, quoi. Et puis là, par contre, on. Ah, mais alors ça, j'ai une solution, si je la trouve. Ah non, j'ai plus de pierre de. Ouh là là, j'ai plus d'accord. Pierre, ah oui. On n'est pas le malus là. D'accord, je suis coincé là. Hop là. Bon, là il a refait son moral, oh, déjà super. C'est pas mal. Bon, déjà on est moins préoccupé par monsieur voilà. Nespo. Hop. Si on pouvait avoir une pause, je ferais un feu de camp pour notre moral à nous. Ouais, mais lui continue, hein. Bah oui, il s'arrête pas, lui. Il est à fond. C'est ça qui est, hein. Il est à fond. Voilà, on va le faire un par un, ils sont pas durs à tuer. Bah ça. Là, c'est... Ouais, ça va mieux qu'à l'entrée, là. C'est l'entrée, oui. Le moment délicat pour l'instant. Exact. Peut-être on a fait le plus dur, je sais pas. Ah, il y en a encore là. Ah, c'est des gros, là. Un petit feu de camp. Non. Ah, pas le temps, j'ai à gros. Alors, non. Tant pis. Hop, ça y est. Pareil, j'ai... Alors. Hop, on l'a déjà une de moins. Là, j'ai aggro tout le monde, comme ça. Hop. Moi, je surveille pas ma vie, du coup. Ouais, je surveille un peu tout le monde, mais c'est toi qui es en difficulté le plus, ouais. J'essaye de faire le dernier parjure pour... Tiens, je peux pas faire... Voilà, ça y est. Voilà, on les a balayés. En fait, les parjures, ouais, j'ai été bête. J'aurais pas dû me concentrer sur les parjures. Il semble que quand on tue les deux nanas, là... Ça fait disparaître les parjures. Ah, ils disparaissent, après ils réapparaissent, là. Ouais, celui-là, il veut pas... Ouais, puis il y a l'autre, il fonce, là, il... Il s'attend pas, lui, hein.
Faut qu'il se calme là. Il sait qu'il a pas un moral infini. Non, c'est vrai. Non, ça va pour l'instant, il est, ça va, il est en bonne forme. Oui. C'est nous qu'on est un peu. Bah oui, j'aimerais bien qu'on fasse une pause, mais il veut pas s'arrêter. Il veut pas, non, il continue. Hop. Il grimpe, il grimpe, il grimpe. Oh là, puis il y en a encore d'autres derrière. Oh là là, oh là, il y a des gros là derrière. On va pas s'avancer trop. Là. Alors là, je vais faire. Hop là. J'en ai 3 sur moi. Un petit soin. Hop. Là oui, je vais à ton secours. Voilà. Ah non, mais il est en train d'en aggro d'autres là-bas, lui. Il est taré, quoi. Ouais, faut, il va mourir. Ouais. Voilà. Alors, bah, ok, il, ouais. Il a aggro tout le monde, donc. J'attends pas, il fonce, hein. Ouais, ça continue, hein. Ouais, mais non, de toute façon, ça va vous éjecter. Ah, ça y est, bon. Plus l'instance. D'accord. On va se faire éjecter, normalement, voilà. Ouais, ça y est. Bon. Oh, c'est chaud, quand même, hein. C'est un petit peu chaud. Oui. Bah, sinon, on va aller se faire le verre cuirassé, c'est peut-être plus facile. Oui. On va voir. Hop. Allez. Et puis, bah, les 7 épées, bah, on reviendra à 3 ou 4, je crois. Ou à 7. Ah hein. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Donc, bah, avis à ceux qui voient cette vidéo, vous faites les quêtes, on se retrouve à... Alors, on est deux, il en faut 5 de plus. Donc, vous me dites en commentaire de la vidéo si vous êtes partant, et puis on s'y retrouve. Qu'est-ce que j'ai à gros, moi? Ah, un gobelin. Ouais, moi, pareil. Lâche-moi le gobelin, lâche-moi. T'as fait tomber, ou? Ouais, ouais, bah oui. Donc, je cours pour qu'il me désaggro, ça va pas tarder. Il te court, ça. Ouais, il a des petites pattes, mais... Mais il en veut, là. Punaise, ça y est. Ça y est. Puis, il y a un warg juste à gauche. Hop, allez. Le verre cuirassé, on retourne du côté des marais de Silex. Mince, il y a du warg par là, j'ai aggro. Je les avais pas vus derrière l'arbre, classique. Les creepers Scara, ils me portent pas chance, en plus. Alors... Par là, voilà, c'est le pied qui donne une des épées. On va traverser le camp à l'arrache. Oup là, on va pas se laisser tomber de la falaise, c'est pas terrible non plus. Hop là. Ah mince, je me suis cassé une patte, ça. J'ai entendu un schrack. Il y a un petit gars qui se balade. Ça y est, je suis passé. Petit dernier qui a gros. Ça y est, je suis sorti. Alors, du coup, supprimer cette quête là. On va remettre la quête, c'est les habitants des marais. Attention. On va me ramener. Ouais. T'es pas venu tout seul, t'as amené des copains. Voilà. Ils se joignent à la fête. T'es où là? Hop là, ah bah on t'y a foncé là-bas. Ouais, et puis bah j'ai foncé tout droit, mais je me suis fait avoir tout à l'heure, ce lac-là, on peut pas le traverser à cheval, donc faut contourner. Bien. Bah voilà, faut pas faire ça. Ah voilà. Un petit bain. J'ai voulu faire le malin. Alors là, je vais enlever la quête de la nonne. Alors, hop, cette épée, hop, je l'enlève. Voilà. Et tu disais vers cuirassé, c'est un élite. C'est... Ouais, tu vois, c'est plus qu'un élite. C'est une quête de petite communauté, donc normalement on peut le faire à 3. Ouais. En théorie. En théorie. On va se lancer. Comme dirait des proches, un jour j'irai vivre en théorie, car en théorie tout va bien. Sauf que ça va pas si bien que ça. Non. On va voir si le verre cuirassé fait mentir des proches ou pas. On va vérifier tout ça. On traverse ça. Les sentinelles. Voilà. Sinon, j'ai d'autres quêtes blanches. Justement, avant qu'on se connecte, je regardais moi si j'avais des quêtes blanches, pas que des oranges.
Je suis encore level 44 par contre. Ah oui, je remercie je ne sais plus quel abonné qui m'a dit qu'il fallait que je récupère mon petit coffre de la maintenance là. Ouais, j'ai vu, ouais. Et du coup, bah, effectivement, il y a des tomes d'expérience dedans, donc. Ouais, c'est ce que j'ai vu dans. Tout bon. Dans ta vidéo. C'était cool. Neuf là, ouais, il est là direct. Alors, il a combien? Ah, ben voilà. 26 000. Facile. 6 000, hein, ouais. On s'est fait L200, on doit pouvoir se faire lui. Alors, il faudrait pas s'aggro les trucs à côté. Ouais, je vais l'aggro, comme ça il va venir vers nous. Alors. Hop. Et comme j'ai mis un piège avec un peu de chance. Non, c'est bon, tu l'as aggro. Voilà. Tu l'as chopé. Ouais. Allez, c'est parti. Ah ouais, chopé, maintenant, faut que tu résistes. Ah non, ça y est, je l'ai rechopé moi. Alors maintenant, c'est moi qui dois résister. Ah, tu dois. Waouh, il me fait baldinguer là. Alors. Ouais, c'est ça le risque, c'est qu'il nous balade et puis qu'on tombe sur un autre truc qu'on va aggro. Il a une grosse tête, monsieur. Il balance des gros coups de tête. Ah ben voilà, on a aggro. Allez, on balance la sauce. Ah, c'est vrai que. Il est pas à la fête, hein, l'ancien là. Non, mais par contre, il fait mal. Ouais. C'est tout seul, ça passe pas, c'est clair. Moi, j'ai perdu la moitié de ma vie, mais lui, il a perdu les deux tiers. Donc. Allez, une petite valdingade. Hop, ah, je vais m'écarter. Cool, c'est toi qui l'as pris. Ça me va bien. Ah, j'aurais dû mettre un feu de camp juste avant qu'on. De l'aggro. J'ai pas été malin sur ce coup-là. Pas très tactique. Mais ça va le faire, on va l'avoir. Hop, ouais. Une petite flèche miséricordieuse. Allez, meurs. Super, yes, voilà. Une petite 4 tranquillou. Bon, c'est plus facile que les 7 épées. Hein. Ouais, franchement, ouais. C'est clair. Bon, wow. Ça c'est fait. Bon, alors, GG, c'est pas mal. J'ai quoi d'autre? J'ai l'ancien repère, moi, faut aller où? Dans les grottes d'Olopi, la Malenade. C'est où ça? Tu l'as aussi? Alors, je vais mettre. Ah ouais, non, Malenade, c'est la zone élite, ça. Exact. Là, il y a une petite grotte, là, où rapporter les symboles, non? Trouver les pierres précieuses. Non, je vais faire traquer les quêtes proches, déjà. Alors, dans les quêtes proches. Ah oui, trouver Bétate dans l'Oakfield, l'ancien repère. T'as raison, c'est la petite grotte, ça. Oui, elle est pas loin. On va aller faire ça, c'est juste à côté. Ouais, l'ancien repère, c'est parti. Allez, allez. Hop, il me reste. À dos de. 10 minutes d'épisode à faire, donc. Allez, comme ça, si on réussit deux quêtes, ça sera pas mal. Ça sera pas mal du tout. Ouais. Est-ce que je grimpe là? Ouais! Ouais. Oh, c'est un cratère derrière. Ah, bah, dans le cratère, je ne grimpe plus. Là, je pense pas. Là, ça passera c'était pas. C'était stylé. Ouais. Un petit effet de drift. Là, j'ai tenté de rentrer tout seul et c'était chaud tout seul, hein, quand même. Ah, j'avoue que. Ouh, mais c'est joli. Ah ouais, il y a un petit gars là. Voilà. Juste là. Et là, lui, là, les élites commencent ici. D'accord, 10 000 de morale. Il y en a deux. Ok. Ah, t'as le dragon là-bas au 11 000 aussi. Bon, bah eux, on doit pouvoir les esquiver. De toute façon, faut qu'on rentre dans la grotte. Je sais pas où t'es. Je suis au-dessus, dans le cratère. Attention, tu l'aggro. Oh bah, c'est pas grave. Bon, bah, celui-là, on se le fait alors. Voilà. Ah, j'ai une position de sniper là. Nickel. Le temps qu'il vienne jusqu'à moi déjà, il va manger. Allez, viens par là. Tu vas tirer vers moi. Hop. Ah, il mange bien du coup là. Là, c'était le. Là, il peut pas s'en sortir, je pense. Le truc idéal, chasseur en hauteur, champion au sol, t'es mort. Bon, il nous donne rien, il faut aller dans la grotte. Il faut rentrer dedans, je crois. De mémoire, ouais. Je l'avais fait une fois, je crois, sur tous mes rerolls, j'ai dû la faire qu'une fois. Bah, moi, ça va être une première. Votre communauté, l'ancien repère. Tu peux rentrer ou pas? Tu es rentré déjà? Ouais, je suis dedans, moi, j'ai une petite voix, mais. Je sais pas si c'est solo je ou pas. L'entrée là. Et t'avais quoi comme message que j'avais commencé une. Oui, ah ben voilà, je vois l'entrée, ça y est, je vais rentrer dedans. Hop là. Voilà, ah, ça y est, je te vois, je me disais, c'est bizarre. Voilà. Je savais pas que c'était une quête solo, donc ça me paraissait bizarre de pas. Non, 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 pas du tout. Ah oui, sur. Rogue Elite. Tu veux que je la tire peut-être? Allez. Bon, je vais la tirer. J'ai attendu avant de tirer pour que tu conserves l'aggro. Bien sûr. Voilà.
Si jamais il m'échappe, je peux l'attirer vers moi encore. Ouais, puis j'ai mis un piège, donc il sera éventuellement bloqué. Ah, petite communauté, rouge. Hop là, là je l'arrête pas celle-là. Prends ça, monsieur. Bah alors, ça vient. Aïe, oh, un petit coup d'end. Ah bah oui, hein, ça fait pas de bien, ça c'est... Un petit coup d'end dans la tête. Ah, il y a un petit dragon là. Ouh, il y a deux petits dragons, trois petits dragons. Ouh, alors je prends celui-là. Pour pas... Ah bah il s'aggro les trois. Les quatre. Ouf, d'accord. Là j'aurais bien aimé avoir plus de flèches. J'espère que tu vas tenir parce que tu vas manger là. Faut que tu recules, t'es dans la zone de flamme. Hop là. Voilà, je t'en ai libéré un. Re-zone de flamme. Un de moins. Tiens, on va utiliser ça. Ah bah, un petit vert peut-être, non? Bon bah, on va faire un rouge-vert alors. Je sais pas ce que ça va donner, un rouge-vert. Parce que le vert, c'est pour te soigner en fait. Là, vu ton moral, au prochain, si on en a une autre, on va mieux qu'on fasse du vert. Parce que tu vas mourir. Il te faut un soin. Tu es mort. Ah, ils sont chauds, ils envoient du feu, ils attaquent. Alors, je me replie, hop, je sais pas où. Hop là. J'essaie de survivre, histoire qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien, qu'on soit pas obligé de recommencer. Alors, il m'en reste plus qu'un. Hop, je cours, Forest. Je vais essayer de te rejoindre. Oh, il a pris une position de ouf en bas. Alors là, bah, ça vaut le coup de filmer, là, pour le coup, là, il est au-dessus de moi, alors du coup, c'est comme s'il plongeait sa tête dans l'eau en même temps qu'il me tape. Moi, je le vois pas, mais... Trop mal. La vache. Je sais pas si je vais arriver à temps. Ah, c'est chaud pour toi, là. C'est chaud pour toi. J'en sors. J'en ressors. Je veux pas me replier. Je te laisse pas... Bon, allez, hop. Je suis sorti. Un petit feu de camp. Un grand feu de camp d'ailleurs, ça s'appelle. Je vais récupérer mon moral, mais je pense que du coup ils vont respawner, donc on va repartir à zéro. Ouais. Mais bon. Donc il faut gérer. Il faut gérer, il faut faire une petite stratégie là. Ouais, et puis bah, je vais peut-être booster un peu aussi. Qu'est-ce que j'ai qui est actif, moi? Les bonus là. Ouais, j'ai pas activé mes bonus. Moi. Ah ouais. Si. J'y vais comme ça, les mains dans les poches quoi. Bah voilà, bah c'est, on a vu le résultat. En t-shirt, short et t-shirt. Non, ça, je vais mettre mes. Mes petits. Alors, qu'est-ce que j'ai de bon là? Là j'ai. Hop là, je vais mettre ça. Je vais mettre. Ça, celui-là il est mieux que celui-là. Oh, c'est pareil, hop. Et champ de l'arc, ça dure une minute, donc j'attends un peu. Hop, allez, c'est reparti. Voilà, je me suis. Allez, hop. Là, je fais un petit champ de l'arc. Oh, voilà, le premier, hop. C'est. Le premier, c'est facile. Non, ils n'ont pas respawné. Hein. Ah, cool. Ouais, donc, ça veut dire que s'ils nous font ça, faut ressortir. C'est... Ouais, il n'y en a plus qu'un, nickel. Il n'y en a plus qu'un, voilà, tant mieux. Je croyais qu'ils allaient tous... Non, bah c'est bien ça, parce que ça veut dire que hein, si on... Au pire, si on voit qu'on est prêt de mourir, on se casse, on ressort, on se refait un moral. Ouais, voilà. Mais là, ça devrait le faire. Ouais. Il y en a encore 4 au fond, là-bas. Hein. On va faire aggro gentiment, là. On va essayer d'aggro suite gauche, je pense, en premier, là. Il a l'air d'être... Voilà. Wow, des flammes. On ressort, des flammes. Ah bah non, il y en a un qui vient vers nous. Tiens, on va l'aggro, celui-là. Ça fera déjà un de moins. Ouais, il se promène, là, tranquille. Tiens, attends, je vais lui faire un cherche-cœur, déjà. Ouais. Il va venir me voir. Après, je vais l'attirer. Hop, voilà. Tac, j'ai envie de lancer des compétences pour te laisser un peu d'aggro. Allez, c'est parti. Fire! Voilà, un par un, ça, c'est gérable, hein. Ouais. Voilà, mais il t'en veut, hein. Bah, je vais balancer un peu la patate, là. il a pas aimé les flèches. Super. Alors, là, par voilà, contre, bah, celui de droite... Ils sont plus nombreux, ouais. Alors. Celui là-bas à droite, ouais. Je vais lui lancer une flèche, voir. Vas-y, mais alors traîne pas trop, parce que du coup, l'autre, il bouge, celui du milieu. Ah bah non, ah, ouais, c'est les trois en même temps. Alors, quoi, est-ce que je peux en immobiliser un? Ouf, essaye de reculer, je crois que j'en ai immobilisé un normalement. Je vais essayer d'en faire fuir un autre.
Voilà, il y en a un qui fuit. Voilà, je t'en laisse qu'un. Et j'en ai pris un. Ça devrait être plus facile à gérer. Ouais. Ah bah oh, il me lance des flammes. Oh. Ah mince, j'en ai deux. Alors, j'arrive à... Enfin, j'ai plus de vie que toi, ceci dit. Hop, voilà, je les ai assommés normalement. Eh ben non, je les ai pas assommés. Toujours un qui m'en veut, un petit soin. Je vais essayer de reculer en même temps. Je vais m'aider là. Ah ouais, par contre, là. Hop, 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 partout. Vas-y, cours vers l'entrée, comme ça je vais en récupérer un. Cours, Forest, cours. Au pire, je vais Donc, si tu cours vers la sortie. Ben non, j'essaye de récupérer le dernier là qui te course après. Hop. Parce que comme ça, avec un peu de chance, je vais le finir. Avant que tu reviennes. Ah, il est plus en vue. Viens là. Viens là. Comment ça, elle est plus en vue? Allez, meurs, plus qu'un. Oula, j'ai un gros lag là. Moi aussi pareil. Ah, je vais essayer de pas mourir. Ouais, t'es à 1002. 1000. Ouais, c'est ouf. C'est bon, c'est passé. Tiens, bah, un petit feu de camp. Ouais, je vais pouvoir faire un feu de camp, donc... alors attends, je vais essayer de le presser éventuellement au bon endroit. Ouais, c'est la bonne stratégie, ça, revenir vers la sortie. Bah, surtout que je pouvais le canarder dans son dos et il s'occupait plus de moi. Ouais. Bah tiens, non, je vais faire le feu de camp là parce que je sais pas ce qui nous attend derrière. Ouais, voilà, on va reprendre nos points de vie tranquillement. Ça va être plus sûr là. C'est... Trouver Bethade dans Holocleave. Holocleave. Bon, j'ai ma vie moi donc je te laisse récupérer. Je vais voir un peu ce qui nous ah attend. Ah oui, ouais. Bah. On va faire l'éclaireur. Ah si, y a une... j'avais pas vu, il y avait un couloir à gauche. C'est okay. À gauche, hein, ouais. D'accord, alors... Là, j'y régène, c'est bon. Donc on a un gars tout seul. Ah non, on va attendre que le gars vienne à nous, parce qu'il y a un vert cuirassé qui fait dodo juste avant lui. Oh si, c'est... J'ai mis un petit piège, là. Hop, il va laisser... Et on va le laisser arriver tranquillement, ouais. J'sais... Et on va se le faire tranquillement. Je suis pas sûr que ça le bloque, mais... Ah, je vais l'attirer, hop. Tant pis. Ça l'a bloqué. Hop. Voilà. Ah, il va déguster, lui. Bah, non, il envoie des coups de massue. Ça ne rigole pas. Enfin, il a pas aimé mes flèches, apparemment. Cherche au cœur, ils aiment pas. Allez, je reprends l'agro. Voilà. Et voilà. Celui-là, gentiment, tranquillement. Alors, le petit vert, on va le réveiller, hein, tant pis. Hop. Hop. Zoom. Taille. Ah oui, j'aurais dû attendre. C'est stylé au niveau design, ces petits verres là. Oui, c'est vrai. Hein. Ce beau petit dégradé, écailles sur le dos là. C'est... le mec, il commente la garde-robe en tuant le gars quoi. Oh, t'es bien habillé, tiens, prends une flèche. Ah, qu'est-ce qu'il là, y a là, bon, il bah, y a des petits neufs. Des petites sangsues là. Ah, c'est des sangsues. Enfin, c'était des œufs dans l'eau moi. Bon, ils sont pas élites. Normalement, on peut les esquiver, elles, non? Je sais pas, on est obligé de les aggro là, peut-être. Hein. Attends, si on passe à droite là. Du coup, ah bah non, ouais, ben voilà. Tout aggro d'un coup là. C'est pas grave. Laisse les balancer leur cochonnerie là. Ouh, voilà, je vais les taper, hein, voilà. T'as bien aggro, ouais. Voilà, c'est ce que je voulais. Hop. Alors, j'essaie d'en faire fuir une là. Ah, elles sont insensibles à ça. Bon, bah, je t'en ai récupéré une déjà, ça t'en... Ouais, attention ta vie. Je vais peut-être courir un peu. Ouais, bah avec les sangsues, c'est... Uf, c'est chaud. Il y a du monde là. Je vais reculer un petit peu. Ouais, bon, j'ai pris... T'en avais une grosse quantité quand même, hein. Ah oui, Oh là là. Alors, là, tu as quelques-unes quand même. J'en ai récupéré une. Je vais essayer d'en récupérer une autre, mais... Le problème, c'est qu'elle court vite. Elle court très vite. Allez. Venez là les cocottes. Normalement celle-là elle devrait venir vers moi là. Ou mourir. Voilà, bah, c'est bien aussi. Elle mourir ou bien. Oh, 960. Alors je vais reculer parce que alors, j'ai plus de vie là. Bah, je t'en ai piqué une donc ça t'en fera toujours une de moi. Ouais.
Bah, le temps que je cours, tu les alignes. Hein, c'est ça. Essaye de courir en rond, comme ça, elles vont repasser devant moi, parce que je suis en mode rouge, donc je peux pas tirer, bouger. Alors... Il t'en reste plus que 3. Okay. Je suis hors de portée. Elles sont toujours derrière moi ? Ouais. Ouais, bah là, j'ai pas beaucoup de vie. Là, si je... Ouais, et puis le feu de camp était fini. Je peux pas en remettre un. Au secours. Ah, super. Voilà, là c'est le bon truc là, là ça va. Là, elle me court derrière, là c'est bon. Allez, c'est bon, il reste plus qu'une. Hop. Allez. Ça y est. Super, merci beaucoup. Ouais, c'est la technique. Le nain qui court, l'elfe qui canarde. Voilà. On va s'avancer un petit feu de camp. Ah si, je vais pouvoir le faire. C'est une blague chez nous les elfes. On fait souvent courir les nains devant. Ça, c'est pas mal comme asticot au bout de la canne. C'est un classique. Hein. Ouais. Alors, où est-ce que je peux... On se fait là le feu de camp, ou elle avance encore un peu? J'attends un peu parce que plus tard je le fais, plus tard tu peux revenir dessus si jamais on est dans la même situation. Ouais. Donc si je le fais pas loin d'une zone où... ouais, là c'est quoi... Oups, là il y a un gros monsieur, il y a un verre... On va le faire ici. Voilà. C'est un bon endroit là. Parce que je pense qu'on va aggro tout le monde là. Ah, alors peut-être qu'on va attendre le gars derrière là qui se pointe là. Je vais mettre un petit piège gentiment. Parce que je pense que lui il va venir nous voir et qu'on va pas aggro les deux autres. Ah bah non, il vient pas nous voir en fait. Ah bah celui-là il se balade, l'autre il est alors, fixe. Alors on va attendre qu'il se barre alors et puis on va. Parce que je pense qu'on va aggro le vert et le. Ouais, ils sont linkés là les deux. Allez, je tire sur le vert. On va voir ce que ça donne. En plus, on est à côté d'un feu de camp. De toute façon, ouais, c'est ça. Voilà, ils sont bien côte à côte. Ah, bon, il y en avait un petit verre là. Ah, bah tiens, il y en avait 3. Bon, bah moi, je reste à côté du feu de camp, comme ça au moins. On aura la régène en même temps. Ah, bah, il y en a un qui a l'air. Ah, il y en a un qui est resté coincé dans le piège, nickel. Un piège qui fait son travail. Alors, je vais enlever du feu là. Parce que, ouais, je veux bien mon feu de camp, mais pas le sien. Allez, je vais le finir là, voilà. Ensuite. Oh bah ça va, on est bon là. Ouais, je pense que l'autre va se pointer. Ah foiré. Ah oui. On a assommé. Ah, puis l'autre il me remet des flammes. Mais on se calme. Elle me casse les pieds, coup de trompette. Hop. Et voilà. Allez, le dernier. Qui m'a bien fait mal, le casse-bonbon là. J'ai plein de compétences. C'est quoi ce bazar? Je reprends la main là sur lui. Et il meurt. Et voilà. Sauvé. Alors, très stylé les écailles qu'ils ont fait, ouais. Oui, c'est vrai. Très joli. Alors, celui-là, il est tout seul, allez hop. Mais on va mettre une heure ou quoi à faire ce truc? Je sais pas si elle dure longtemps, cette instance, mais... Ah, alors, rouge? Allez, rouge. Le rouge. Allez, ça, on le liquide le plus vite possible. Voilà, ouais, bon. Ouais, il a pas pris cher, là. Maintenant, il prend cher. Voilà, bon. Il y en a un à droite, mais on peut peut-être l'esquiver. Il y en a deux à droite. Ah, trois, le gars, il... ah, ça y est, on l'a trouvé. Ah, là. Il est à gauche. Ah. Vous avez découvert la prison. Est-ce qu'on le libère? Non, ça il va faut pas... éliminer Buck, Hulk, je sais pas quoi. Alors, il est où, Hulk? Buck, Hulk. Alors, les... ah, ceux non, de droite, on doit pouvoir les esquiver. Par contre, ah, mais il est à gauche. Ouais, là, voilà. Il est à gauche. Alors, est-ce qu'on peut se faire les gardes en premier? Ouais, voilà. Sans attirer le gros pépère. Attends un petit peu, je suis à 18 secondes de mettre un feu de camp. Donc, d'accord. Alors, on prend Ulbrank, je prends Ulbrank d'abord. Bah, je sais pas où on essaye les gardes. Je vais les prendre les trois. Et puis, tu pourras en faire fuir un. Voilà, bah là, je mets. Oui, si. Un petit feu de camp. Je mets le feu de camp. Tiens. J'essaye de faire fuir celui de droite, donc tu le tapes pas et tu tapes celui de gauche. Attends, je vais me régène mes skills là. Je vais manger. Skills aussi. De soins. Voilà. Persévérance et. Tac tac tac. Et grand acte d'héroïsme. Ça me donne. Voilà, je crois que je suis au taquet moi de ce que je peux faire. Allez, je fais fuir
celui-là. Oh là, ça y est, c'est ça. Parti. Ils vont tous aggro, de toute façon. Bah, il a pas fui du tout. Il a pas fui du tout. Alors, hop là. C'est, alors, ils ont bien foncé sur moi, quoi. Ah, juste quand je le fais, punaise. Est-ce que je l'ai assommé? Bon, j'en ai au moins bloqué un dans le piège, c'est déjà ça. Et je mange là par contre. Quand il est pas je vais très efficace. Je vais en attirer un vers moi. Voilà. Hop. Ah, ça y est, le piège est fini, j'essaie de le faire fuir. Ah, il m'a assommé. Ouh, c'est chaud tendu. Puis il faut que j'essaye d'éviter d'aller vers les deux, trois autres là. Mais il prend rien ou quoi le garde là, je lui fais rien. Il m'a assommé. Alors, si. Ah, je les endors un peu là. Ouais, mais tu veux mourir. Je sais pas. J'en ai fait reculer un avec moi, ouais. Mais. Ouais, il m'assomme, mais j'arrive pas. Ah, ah, ça y est. Allez, je. J'en fais courir un. Je sais pas juste où il va courir. Essaye de. Ouais. Est-ce qu'on en a tué un? Non, pas du tout. Non, non, il est avec moi. Alors, dès que je vois que je vais mourir, je trace un. Bah, c'est ce que je fais, parce que du coup, je sais pas s'il désaggro à un moment. Là, il me trace toujours, il me trace toujours. Tu vas mourir. Ah, je vais cavaler. Je cavale, je cavale, je cavale. Oh, tu es parti loin, hein? Ben ouais, parce qu'il me course jusqu'au bout. Et il nous suit jusqu'à. Alors, ce que je voudrais, c'est mettre un piège. S'il me laisse le temps. Voilà. Normalement, tout à l'heure, ça l'a bloqué le piège. Ouais, nickel. Ça va me laisser le temps de régénérer un peu. Ils sont derrière. Hein. Alors, je te rejoins, mais. Ouais, bah tu vas voir un gazier dans son piège. Il a encore 9280. Ah, oh, d'accord, ouais. Tiens, ah ouais, il a le pied dedans, hein. Tu vas le laisser. Ah, au passage, il m'a. Bah tiens, un petit coup de massue au passage. Ah, si je pouvais en faire fuir un. Ah, mince, ça y est, il a pu. Ah, bah on est à l'entrée en plus. Ouf. Bon, bah je crois qu'on sort, hein. On sort, hein. Allez, hop. Là, de toute façon, on n'a pas assez de vie pour. Bon, par contre, les contrer là. Je suppose que quand on va retourner, ils vont être. Alors là, ça va Bah ouais, oui, ils vont être revenus à fond de leur vie surtout. Je vois pas comment à deux on peut se les faire là, parce que. Ils tapent vraiment fort et je peux pas en faire fuir un. Ouais, il faudrait que. Peut-être que je. Ouais, parce que le piège ça marche, donc je peux en immobiliser un certain temps. Je commence à tackle le premier et. Ou alors faudrait presque. Ouais, toi t'as aucun piège. Parce que si je mets un piège à l'entrée du couloir qui va se prendre dedans et nous on les fait courir un peu pour que au moins le temps que le troisième nous rejoigne on ait du répit. Mais bon, ça va pas faire gagner grand-chose. Je vais essayer de tuer les agros, enfin les deux un peu plus faibles, les deux élites, avant de tuer le boss. Le Maus. Ouais, le Maus, je vais essayer d'en tuer un ou deux. Et alors, puis après, on se finit le. Je vais voir s'ils sont toujours là. Non, ils sont plus là. Ils sont plus là, il faut. Ouais. Donc, il va falloir retourner là-bas. Non. Ouais, non, je réfléchis, je vois pas de. D'astuce. Alors, je sais pas si quand on déco-reco. Le repère reste vide, ou s'il faut se retaper. Ah, ça voilà, truc. Ça, ouais. C'est le mystère. Parce que bon, je pense qu'à 3, ça le fait. Chacun le sien. Ouais. À 3, ça serait pas mal. Quelqu'un qui nous heal un petit peu. Ouais. Bah, sinon, je vais voir si Maillardine ce soir il est dispo éventuellement. Je pourrais le rajouter après dans l'épisode, de toute façon, c'est pas grave. Bon, ça va être un épisode à rallonge par contre, parce qu'on est déjà à 34 minutes. D'accord. Ouais, ou on va peut-être faire ça, on va peut-être déco ici, dans la grotte, ça va nous éviter de faire tout le trajet. D'accord. Et puis, et puis comme ça, bah, ce soir, éventuellement, je te redis si, sur Discord si on peut. D'accord, très bien. Et puis si on peut pas, bah, on le fera à un autre moment, c'est pas grave, moi j'ai largement de quoi faire pour ma semaine, là, pour l'épisode, donc.
Super. Au niveau de la vidéo, c'est pas un souci maintenant. Le souci, c'est de réussir cette quête. Hop. Eh ben, je te dis à bientôt, du coup. À bientôt, et on est merci pour ce petit moment vidéo. Non, ben, merci à toi. Ça permet de faire les quêtes de groupe, c'est cool. Merci à tous. Yep. Allez, je bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.